Et bonjour, scrappeur de France et de tout pays, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous avais dit, pour un nouveau partenariat. Je vous avais prévenu, c'est la boutique New Craft Day. Hey. Et non, c'est pas les gnocchis, c'est New Craft Day. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous baisser sur mes mains et puis je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'avais choisi. Dans l'outillage, comme je vous dis, je préfère privilégier dans l'outillage que dans le diamant painting, mais ils m'ont envoyé quand même deux diamants painting. Bon, j'étais. Mais bon, voilà. Pour avoir ce que je voulais, j'ai dit oui. Donc, je vais vous baisser sur mes mains. On va commencer par le diamant painting, comme ça, on sera débarrassé. Et puis après, eh bien, je vous montrerai ce que j'ai choisi en outillage. Voilà. Alors, les diamants painting, ils sont. Il y en a deux. Il y en a un. Et il y en a deux. C'est pas moi qui les ai choisis, mais bon, ils sont pas trop mal quand même. C'est eux qui me les ont. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est 30-30. Qui fait pas 30-30, bien sûr. À tous les coups. Mais ça va, c'est bon, j'ai gardé ma règle. Et l'autre qui fait 30 par 40. Bon, c'est. Là, c'est pas mal. Celui, l'autre, il est pas trop mal. Mais bon, si j'avais eu le choix à choisir le truc, bon, j'aurais. Eh ben oui, surtout si tu ouvres pas. Je vous baisse sur mes mains. Voilà, pardon. Non, mais moi, je suis parti, là, dans mon truc, là. Ça y est. Aïe, 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 aïe. Ah, mais je vous jure, non, non, mais là. Bon, allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, le diamant painting qu'ils m'ont offert. Bon, comme d'habitude, on a la toile. Ça ne change pas. On a la coupelle avec la petite cire, le petit stylet. Des fois, on a un truc en plus, des fois, on l'a en moins. Ça, c'est des diamants ronds. Bon, comme d'habitude, il y a les numéros là qui doivent se retrouver ici. Là, je ne peux pas vous dire que c'est des DMC. Je vais vous montrer la photo comme ça déjà. Voilà. Voilà la photo que c'est. C'est plus clair une fois fait. Voilà. Et il est pas. Bon, et finalement, il n'est pas si moins chaud que ça. L'avantage, c'est que on le voit bien. Pourtant, j'aimais bien les ronds, mais là, je suis en train de. Les carrés, pardon. Et là, je suis en train de faire un rond, là, mais celui que je devais faire pour ma petite fille. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait comme un bateau. Ça fait. Voilà, c'est. Il est pas mal, il est pas mal. Et donc, vous avez là, vous avez les deux grilles, vous avez les deux grilles. Et chaque numéro, mais vous avez. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des lettres, des. Ah ben là, c'est l'avantage, il n'y a que des lettres sur celui-là. Oh punaise, ce sera moins compliqué à. Voilà, je vais vous le plier, voilà, vous voyez. Et mince, là, il n'y a que des lettres. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas besoin de se faire aguerrir. Maintenant, quant à la qualité. Si, quand même, si. Ça colle bien. Ça colle bien. Celui-là, il fait 30 par 40, mais il ne fait pas entièrement 30 par 40. Alors, on va vraiment le mesurer. Ça fait du 30. On va faire un 32. Ouais. 32 et demi, quoi. 32 et demi par. Voilà, alors on vous dit 30 par 40, c'est le machin qui fait ça, mais l'image, elle fait 32 et demi sur 22,7. Voilà, donc c'est pour ça, si vous allez, moi je vous dis pas d'aller acheter, je vous dis allez visiter, allez voir, ça coûte rien d'aller voir. N'êtes pas, moi je vous oblige pas à acheter, moi on me le propose, voilà. Bon, ça me donne l'occasion, après si un jour je. Maintenant qu'il est fini. Mais pour l'instant, on va attendre. On va attendre un petit peu de refaire un truc. Ça me permettra d'avoir des choses. Mais il n'est pas trop vilain. Bon, voilà. Celui-là. Donc, ça, c'était le plus grand. Et c'est des diamants ronds. Voilà. Bon, mais c'est comme c'est toujours. Hein. Vous voyez, il y en a un là-même.
il est collé au truc. Et les couleurs sont quand même assez... Ouais, c'est... Oh là! Ah ouais, d'accord. Bon, ils sont pas tous attachés à des sables. Il y en a qui se baladent tout seuls. Bon, d'accord, voilà. Ouais, c'est ça. C'est des numéros de l'eau. C'est pas des numéros de... Là, par contre, sur certaines, des fois, sur certains tableaux, sur certaines tables, vous avez DMC en plus. Là, il n'y a pas DMC de marqué. Mais bon, il y a des différents bleus, il y a des différents verts. C'est quand même assez... bon, je vais vous montrer quand même un sachet. Un sachet qui est défait en rose, comme ça. Voilà, là, c'est mieux. On le voit mieux, là, le rose. Et vous voyez, là, les numéros, ils sont comme ça. Alors là, voilà, voilà ce que j'aime pas, moi, sur les diamond painting, c'est que le numéro, il ne soit pas ici. Ils le mettent là sur la... Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, comme ça, vous le verrez. Vous voyez, c'est sur le... Sur, là où c'est scellé. Ils ne peuvent pas le mettre. Non. Et puis, alors, c'est tous comme ça. Hein. Tu peux y aller. Non. C'est pas génial. Ça, je leur ferai savoir. Moi, ça ne va pas me... Ça va pas me faire peur. Loin de là. Quand je présente quelque chose, moi j'aime bien présenter quelque chose de correct. Ok, bon. Voilà. Ça fait quand même partie des nouveautés. Bon. Et voilà. Bon, ça, c'était le premier. Donc, on va tout remballer. Il y en a une qui se balade. Allez, viens là, ton mon petit. Et ici. Je vais faire un speech de 8 jours, moi. Elle est où? Elle est là. Allez. Aniche. Allez, couchez. À faire dodo. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. C'était le premier qu'ils vont envoyer d'office. Bon, ils me les ont montrés quand même. Hein. Mais bon. Fallait que je choisisse et ce que il m'en avait proposé et il y en a, il me plaisait pas. Puis quand ça me plaît pas, ça me plaît pas, c'est tout. C'est jamais dit, non, ça me plaît pas. Et moi j'ai choisi des outils, un outillage et je veux bien. Mais bon, mais ça, je vais vous dire aussi, je me suis fait plaisir dans l'outillage. Bon, on verra plus tard. Voilà, ça c'est celui-là. D'ailleurs, le numéro, normalement, on doit le retrouver. Alléluia. Non, c'est bon, laisse tomber là. L'Inchina 090. Hein. À d'habitude, on retrouve le numéro sur le... Si, A2888, c'est bon. Ça, je l'ai. Bon, maintenant, on va passer au suivant, qui est... Alors lui, normalement, il est de 30-30, mais il est pas, l'image n'est pas de 30-30. On ne peut pas dire que voilà, l'image est de 30-30. Donc ça, c'est une rectification qu'ils devront faire sur leur site. Parce que c'est bien joli, on vous dit ça, mais voilà. Alors comme d'habitude, c'est pareil. La barquette, le truc de cire... Ouais, là c'est un peu plus précis, c'est plus dans du marron comme ça. Les diamants peignés. Là par contre, ils sont mieux étiquetés. Voilà. Et là on verra après. Voilà, vous voyez, là c'est mieux. Là il y a un bon étiquetage. Voilà. Là il y a un bon étiquetage. Ça doit être le numéro 2. Alors, A65, excusez-moi, je le remets à l'endroit. Hein. A6523, ouais, voilà. Bon, le ZW, on l'oublie devant, mais bon. Sur chaque machin, on sait à quoi ça correspond. Si des fois ça s'égare, on sait que ça correspond avec ça. Bon, là, c'est pareil. Là, les diamants, bon, je vous les montrerai après, je vais vous montrer les dessins. En fait, c'est un dessin de Ying, c'est un peu comme le Ying et le Yang. Mais, par contre, il faut reconnaître que les toiles collent bien. A savoir que sur le site, si vous avez des problèmes de collage, ils mettent un produit.
tu fous du double face et puis tu t'en enlèves pas. Voilà. Tiens, le voilà. Oui, mais vous n'allez pas le voir. Hein. C'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas si là vous allez le voir mieux. Voilà. Ce sont deux dragons. Après, vous avez d'autres animaux. Vous avez des loups et tout ça. Si j'avais vu qu'il y avait des loups, je peux vous dire que j'aurais pas. J'avais vu d'autres dessins. Là, par contre, j'aurais choisi. Mais bon. Bon, ça me plaît quand même, le dragon. Faut pas non plus. Mais bon. Là, depuis le temps qu'on. Mais enfin, bon, les diamants painting, ça commence à. Comme j'ai dit. Nous, on est des petites chaînes, alors on nous refile, ils viennent nous chercher à nous, eux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Mais certaines boutiques, ça ne leur plaît pas, et puis bon. Comme moi, qui ai quand même un franc-parler, voilà. D'ailleurs, je ne vais pas tester la colle. Parfait. Là, ça, c'est parfait. Là, c'est pareil. Bon, là, les chiffres sont un peu plus petits, mais bon, on y voit. Il y a beaucoup de. Il va y avoir beaucoup de noir. Mais c'est pour faire ressortir les... Alors là, on va regarder les diamants painting. Les diamants painting. Ouais, c'est cela, c'est tout à fait. Les diamants. Donc là, par contre, attendez, je suis en train de regarder. Là aussi, c'est que des lettres. L'avantage, là, il n'y a pas de DMC non plus. Non, il y a des colors, mais il n'y a pas... Ils mettent colors. Mais il n'y a pas de DMC. Alors voilà. Mais des fois, sur certains trucs, voilà, vous voyez, je voulais vous faire voir. Voilà, il n'y a que des lettres sur celui-là. Ça va changer de s'amuser à faire des signes, des signes, des larges sur les boîtes. Mais celui-là, ça ira vite. Ça, c'est un truc qui ira. Bon, il est où, là? Elle est où l'ouverture? L'ouverture, elle est là. Voilà. Bon. Voilà, 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 et voilà. Voilà, comme vous voyez, il y a de quoi, hein, quand même. Voilà, bon, il y en a plusieurs, et je ne vais pas vous faire défiler les couleurs. Du noir, on en a deux, du rouge, on en a un, puis après, ils nous mettent les quantités nécessaires pour faire. Des fois, on en a moins, des fois, on en a plus. Voilà, voilà, et voilà. Je vais pas. Là, je préfère ces sachets-là. Voilà. Je préfère ces sachets comme ça, emballés comme ça, parce qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Comment il était celui-là? Il était en ce sens. Et celui-là, il était comme ça. Voilà. Et celui-là, il était là au milieu. Voilà. Je préfère les sachets comme cela que les sachets comme on a vu sur celui-là. Voilà. Ça, ces sachets-là, voilà. Là, c'est clair, c'est net. C'est pas sur le sortissage ni rien. Voilà. Là, au moins, c'est clair. Voilà. Je sais, je suis exigeante, peut-être. Mais quand il s'agit bon, de vanter des mérites d'un produit, il faut quand même, comme je dis, qu'il soit qualitatif. Je peux vous dire que les deux autres, là, la dernière fois, ça n'allait pas. Je me suis pas gênée pour dire ça, non, ça, il y avait ça, ça et ça. Ah, ben oui. Ben, pour les traductions en chinois, bon, ça, et malheureusement, comme ils m'ont dit, c'est comme ça, on peut pas. Voilà. Après, les défauts de certaines choses, ça, ils l'ont pris en compte, ils feront remonter l'information. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième. Et on va le mesurer maintenant. Voilà. On va le mesurer. Alors, au lieu de... Là, comme ça, ça fait 30, même pas. Ça fait que 29,5 en plus. Bon, enfin, bon, bref. Là, on va prendre de là. Il doit faire 30 sur 30. Il fait 24,5 sur 24,5. Voilà. Donc, il serait plus judicieux qu'ils nous mettent la grandeur de l'image que la grandeur de la toile. Voilà. Donc, qui nous mettent les dimensions de l'impression. Dites-moi ce que vous en pensez, comme ça, avant que je leur envoie
le truc. Donc, de toute façon, vous l'aurez eu, ce sera programmé pour lundi, c'est le programme. Et oui, bon, enfin, bon, de toute façon, dites-moi, je me permettrai de leur dire voilà, ce qu'il faut, sans méchanceté, sans restant dans les clous, comme on dit. Voilà, mais voilà. Bon, voilà, ça c'était le... Oh, celui-là, oui, finalement, bon, finalement, ils sont pas... Et quand j'ai été sur le site, j'ai vu que... Il y avait d'autres images. On ira voir après. D'ailleurs, de toute façon, je vais pas vous faire une vidéo de 8 jours. Vous n'êtes pas nombreuses à le regarder. Alors, il y en a quelques-unes qui s'y intéressent, mais bon... Ça, je sais bien que c'est pour ça que moi je préfère passer par ça d'abord. Voilà, commencer par ça, et puis voilà, ça c'est fini. Voilà, donc les deux diamant painting qui n'étaient pas mon choix, mais que on m'a là maintenant. Je rapproche un peu, casse-toi de là, toi. Voilà, et maintenant voilà. Alors, ah, j'ai oublié quelque chose pour ça. Il faut que j'y revienne. Je savais que j'allais là-bas pour quelque chose, mais quand j'y suis arrivée, je ne savais plus. Ah, putain. Ça y est, je reviens, hein. Je ne suis pas loin. Ah, il me fallait ça. Donc, voilà. J'ai choisi ça. Soit disant, ça, c'est un aspirateur. C'est un petit aspirateur. Donc, moi, je l'ai pris bleu. À savoir que... Ouais, bon, le mien, il est comme ça, il est bleu. Là, il y a à savoir qu'il y a du blanc, du rose, du bleu vert, quoi, du vert d'eau et du orange. Seulement, moi, sur le site, j'ai vu que c'est deux couleurs. Mais apparemment, ils en ont d'autres. Voilà. Mais moi, j'ai vu que c'est deux couleurs. Bon, alors, les piles, c'est quoi? 2, ouais, 2, 1,5 V. Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. J'ai commencé. Alors, ça ressemble à ça. Voilà. Attendez, non, c'est moi qui me le suis défait un peu, parce que tout à l'heure, vous savez, quand même, ma main, j'ai du mal. Donc, voilà, normalement, c'est ça. Voilà, ça, c'est fermé. On le fermera après. Et dessous, il y a des petites brosses. Donc on va commencer par mettre les piles. Hein. D'abord, chercher lesquelles c'est les bonnes. C'est lesquelles? C'est cela ou c'est les petites? Ça, tu vois que ça va être les petites. Surtout si tu les mets... Non, c'est cela. C'est bon. Punaise, mais... ça commence à être à la dèche. Hop, reste là. Voilà. Donc, on va remettre ça. Ça, on le remboîte. Parce que là, il y a un petit truc pour appuyer, pour ouvrir. Voilà, on le remboîte. Là, je n'ai pas réussi. Ça s'ouvre après, parce que quand ça va avoir marché, pour pouvoir vider et tout ça, pour récupérer. Moi, j'ai dit, ça pouvait servir. Oui, je sais, l'autre jour, je vous ai montré la balayette. Alors, attendez, il y avait une flèche. Ou alors c'est moi, la flèche, je crois que c'est moi, là. Voilà. Donc, vous avez un petit embout, ici. Si des fois, c'était... Allez, on va en ressortir... Oh, punaise. Voilà. Vous pouvez vous en servir pour d'autres choses, hein. Moi, c'est pas que pour ça, je m'en sers pour ça. Parce que eux, c'est une boutique de ça, mais moi c'est pas pour... voilà, alors on va le tester. Voilà. Alors, normalement, il faut appuyer là. Voilà. Et là, on doit ouvrir, récupérer. Oui, d'accord, récupérer la barquette. Non, c'est pas celle-là. Oh, qui couillonne, je vous jure. Elle est là. Et là, vous remettez tout là-dedans.
Bien sûr, c'est statique l'histoire. Ouais, c'est pratique ça comme. Pas que je me les perde parce que tout à l'heure. Voilà. Donc, on va faire comme ça. On va en mettre un peu moins. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Et là, on va faire avec les brosses pour voir. Voilà, on va remettre. Ah, je ne vous ai pas dit les prix des diamants painting. Le dernier que je vous ai montré, là, le yin et le yang, c'est 7,01 €. Ça aussi, je crois que ça a augmenté. Le bateau. Il est à 4,94 €. Le bateau, hein, là, c'était le bateau, là, celui-là, là. 4,94 €. Et celui-là, il était à. Oui, bon, mais j'ai caché le dessin. Bon, c'est pas grave. Le yin et le yang, 7,01 €. Et l'aspirateur, lui, il vaut 8 €. Et je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Et après, on appuie. Voilà, là je mets mes petits machins. Hein. Voilà. Alors normalement. Il y en a encore une. Ça y est, je l'ai entendu monter. On va reprendre la barquette. Ah non, il est monté là. Ouais, je pense plus que c'est pour la poussée, un peu. Moi, j'ai pensé à ça surtout pour quand vous travaillez sur les bureaux pour ramasser les paillettes, mais c'est pas. C'est l'inconvénient, voilà, c'est ça, c'est statique. Il y a ce truc de statique qui me plaît pas là-dedans, tout ça. Et puis on ramasse. C'est pas. Ça, c'est là le truc qui. Il y a quelque chose à revoir dans l'aspirateur. Je vous le dis honnêtement, vous faites comme vous voulez si ça vous intéresse, mais bon, moi j'ai trouvé ça utile pour ramasser quand on fait des paillettes comme ça. Des fois on renverse des paillettes et. Vous ramassez. Voilà, oui, parce que je suis en train d'en faire un, voilà, c'est pour ça. Et vous voyez, vous entendez. Ça fait pas beaucoup de bruit, hein. À la limite, ça pourrait même presque servir de ventilateur. Voilà. Et puis là, après, vous ouvrez. Ici, si j'y arrive. Allez, mon doigt. J'ai encore une là. Voilà. Puis bon, vous avez vu comment mettre les piles, il y a ça. Après, il y a aussi quand même un petit pinceau pour pouvoir nettoyer là. Si des fois, ben, c'est un aspirateur poussière. Hein. Voilà. Là, vous avez le truc, c'est toujours pareil. C'est un chinois, mais enfin, on a quand même les dessins explicatifs. Donc, c'est pas trop mal. Voilà, quand même. Voilà. Donc, voilà. Vous avez ça. Moi, je l'ai pris comme une bonne partie de mon matériel. Voilà, parce que j'étais pas encore dans le rose. Et bon, j'ai dit, je continue à le prendre à la sortie. Vous mettez ça, et puis voilà. Donc, ça vous permet de ramasser des fois sans. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé utile. Pour dans le scrap, parce qu'on peut ramasser des miettes, on peut ramasser des petits bouts de papier, des petits trucs ou comme ça. Bon, bien meilleur, on peut faire autrement, mais bien bon. Je vais me faire choisir quelque chose, j'ai choisi. Voilà. Alors, tant qu'à faire, je me suis fait plaisir, mais bon, bien des fois, je suis déçu. Là, c'est pareil, la mallette, bon, il y en avait de différentes sortes, et que vous allez voir là maintenant. Voilà. Alors là, oui, là, c'est le plus gros.
c'est pour ça. Bon, là, ils m'ont pas encore envoyé de quoi de promo, mais je dis, allez, allez voir sur le site directement. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est pas le... Voilà. Donc, je vais vous montrer. Parce que ça, ça peut servir pas que dans le diamant painting. Ça peut servir autre chose. Par contre, le petit aspirateur, il est quand même à 8,26€. Et 8,26€, ça fait un peu... Voilà. Ça fait un peu... Et celui-là, là, la mallette que je vais vous présenter, elle fait 26,63€. C'est une entre-deux. Vous en avez carrément en plastique transparente avec les mêmes choses, moitié prix. Voilà. Mais bon, si j'avais su, j'aurais pris les papillons parce que là, je le trouvais, il était clair à l'image. Ça, c'est comme les vêtements, quand vous les choisissez sur Internet, à la couleur est jolie, et quand ça arrive, c'est, voilà. Bon, ben voilà, c'est un kit, carrément, pour... Oui, c'est un kit, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, apparemment, on a deux cuillères. On pourrait presque manger la glace avec. Ça va être deux cuillères. On a des étiquettes. Et là, il y en a 63. Je ne me trompe pas. Non, il y en a 60. Mais bon, c'était... Voilà, alors on a encore un petit machin comme ça. Là, c'est pas mal. Ils mettent pas mal de trucs, là, dans celui-là. Hein. Là, on a un petit... entonnoir. C'est pour ça qu'il est... Il est un peu plus cher que les autres. Il y a un petit entonnoir. Voilà. Pour pouvoir mettre les... Et quand vous ouvrez vos diamants, vous les mettez dedans et puis dans les tubes. Alors, je vous montre quand même les tubes. Alors, voilà. Alors, j'ai pris ça pourquoi ? Bon, déjà, ça se vit, ça. Deux yeux, ça se met là. Vous avez vu que dans la vidéo de la semaine dernière... De jeudi, il y a Edith qui m'a fait un bijou en perles. Eh bien, les filles qui font des bijoux en perles, c'est à ça que j'ai pensé, moi. Pour mettre des perles, des petites perles ou comme ça, pour mettre vos petits anneaux, vos petites chaînes et tout ça, des babioles pour faire des bijoux. Là, donc là, vous avez 60 tubes. Là, voilà. Donc, et là, il y a une projet. Là, c'est... Elle est costaud, hein. Voilà. Donc là, vous avez une pochette. Donc là, dans la pochette, eh bien, vous mettez... Moi, je vais mettre ça comme ça. Toi, tu la fermes, il n'y a personne. Hein? Voilà. Tais-toi. Tais-toi. Voilà. Donc, on a le petit entonnoir. Et alors là, là-dedans... Ouh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouh là! Punaise. Ah mais ça je n'avais pas vu comme ça moi. Ouais, ça fait 26€, mais enfin bon, quand il y a quand même du matériel. Il y a quand même la raclette, voilà, que vous passez entre les lignes pour aligner vos liens. Et que vous pouvez servir pour faire de la patouille. Voilà. Vous comprenez pourquoi maintenant? Ça c'est pareil. Là, on a toujours nos petites barquettes. Il y en a deux. Là, il y en a deux. Voilà. On a deux petites barquettes. On a des petits sachets zippés. Alors ça, j'en manque pas, par contre. Maintenant. Après, on a quand même un bon... Ça aussi, j'en manque pas non plus. Un bon paquet de... Il y en a deux, quatre, six, huit, dix. Il y a 10 petits carrés de... Vous voyez, des carrés, voilà. Là, et hop, on le replie. Donc voilà, 10 petits carrés de cire. Ça aussi, ça peut servir. Même que ce soit rayé, ça peut servir.
Voilà. J'en avais pas de grands comme ça, moi. Moi, j'avais que. Ben, de toute façon. Ouais, bon, mais c'est ce qui figure et couvert. Je vais en avoir de ça maintenant. Bon, fais moi. Et il y a le grand. Et on peut s'en servir quand, vous savez, quand on fait les trucs pour faire l'embossage comme ça. Mais vous pouvez vous servir de ça pour remettre dans votre tube tout ça, ça. Avec un pinceau, vous pouvez le ramasser et puis le mettre dedans. Donc là, il y a ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui, d'accord, c'est parce que je l'ai utilisé. D'accord. Après, ben, alors là, ils nous mettent une pince en plastique comme j'aime pas. Je vous dis franchement, c'est du plastique. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui, parce que celle-là, elle est en métal. Elle est en métal et c'est bon. Et le plastique, non. Voilà. J'ai jamais, enfin, moi, j'ai jamais, si vous avez réussi, certaines qui en font, vous avez réussi, moi, de toute façon, non, c'est, ça se, voyez, regardez, vous le pincez, mais si vous pincez un peu, crac. Alors, si vous pincez comme ça va. Mais bon, comme moi qui n'aime pas trop un peu ce que je fais, voilà quoi. Et après, ils mettent quatre petits stylets. Alors là, il y en a. Il y a les bouts, voilà, comme ça, qu'on retrouve. Et là, il y a différents. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux pareils. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu deux pareils. Enfin, bon. Là, il y en a un plus petit. Ça, certainement, ça doit être pour trois ou quatre. Ça doit être pour deux. Et ça doit être pour cinq. Mais bon, enfin, voilà quoi. Est-ce que vous voulez en poser plusieurs? Moi, j'ai jamais réussi à en poser plusieurs à la fois. Non, j'aime bien. Oui, je sais, je suis un peu lunatique. Et bien voilà, donc là, dans ce lot-là, là, je suis d'accord avec vous, ça fait quand même. Mais bon, il y a quand même du matériel. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de matériel. Bon, tout n'est pas de haute qualité, je suis désolée. Mais on peut dire que, voilà. Là, vous pouvez vraiment vous en servir. De la limite, là, il y a une petite poignée, là, elle est quand même costaud, mais là, tout ça, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour le diamond painting. Ça peut servir. C'est pour ça que je voulais surtout que. C'est ça qui m'avait fait. Moi, je pensais avec des petites perles, et elles sont rangées, et puis, c'est pas comme les miennes où il y en a. C'est dans des tubes. Ah ben, c'est des tubes, et aussi, il y a des tubes à visser, mais bon. Voilà quoi, c'est quelquefois on a tout là et puis on le sait. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent quand même 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, c'est bon, il y en a 60. Voilà, il y en a 60, donc il y en a vraiment une pour chaque. Ils auraient pu afficher une de plus, hein. Des bandes de deux. Mais enfin, bon, c'est déjà pas mal. Il y a ça et deux cuillères, donc pour ça peut vous servir pour les quand vous faites de l'embossage à chaud. Vous prenez oui, avec des paillettes. Ou si vous voulez mettre des paillettes, vous prenez un peu dans votre pot de paillettes et puis vous secouez dessus au-dessus. Et puis voilà. Et puis ça peut vous servir pour ça. Celles qui font de la résine, c'est pareil, ça peut vous servir pour ça. Enfin, ça, je parle des cuillères. Hein. Enfin, bon, juste pour prendre la paillette, pas mélanger, hein, parce que c'est du plastique. Hein. Alors, on ne connaît pas les effets chimiques de. Enfin, moi, je ne les connais pas. Hein. Il va falloir que je le fasse, mais voilà. Donc, voilà la mallette. Et bien, après, vous refermez. Voilà. C'était quand même mieux fermé quand moi. J'ai été surpris. Là, voilà. 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 Et voilà. Et vous avez votre petite mallette comme ça. Voilà. Alors, ce côté, elle est comme ça. Je sais pas à l'écran ce que ça fera, mais au niveau de sur Internet, moi, telle que je la vois à l'écran, je n'ai pas un retour très net. Il y a le soleil, je vois pas trop, mais c'est pas,
ce comme je l'avais vu, c'était plus clair. J'aurais pris, si j'avais su, j'aurais pris le papillon, j'ai aimé, bon. Si j'avais pu, enfin, c'est pas si j'avais su, c'est si j'avais pu. Mais il était en rupture, les papillons étaient en rupture de stock. Donc, eh bien, pour la boutique du Craft Day, nous avons ça, nous avons l'aspirateur et nous avons de Diamond Painting. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, la démonstration est terminée. Je n'en referai pas d'autres. Démonstration pour, enfin, pour ce partenariat-là. Voilà, parce que moi, je n'ai pas. Oui, voilà, j'ai envie, quand j'ai pas envie, pas envie. Déjà, moi je vais leur marquer pour leur signaler parce que ça commence à faire pas mal quand on est sur on va sur les sites, on vous dit ça, ça, mais quand ça arrive, l'image elle n'est pas en adéquation. Alors allez vous chercher un cadre ou alors à moins de savoir faire un encadrement bien comme il faut, quoi. Voilà, donc parce que normalement, un diamond painting on le laisse à l'air. Bon, moi je le mets sous verre, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais enfin, bon, ça fait rien, quoi. Quand on vous dit 30, là, 30 par 40, ça fait pas, ça ne fait pas 30 par 40. Désolé. Et là, on vous dit 30, 30, là, comme là, on vous dit 30 par 30, mais l'image, elle, en elle-même, elle ne fait pas 30 par 30. Voilà. Donc, moi, j'appelle le chat un chat. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques et à bientôt. Gros bisous, gros câlin et adichat!